What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens et surtout j'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes prêts parce que attention j'ai du lourd à vous annoncer. On va faire ensemble tout simplement le résumé du stream de Bungie qui vient juste de se terminer, c'était le troisième et le dernier stream sur la mise à jour de l'âge du triomphe qui je le rappelle sera disponible mardi prochain, donc le 28 mars si je me trompe pas, à partir de 18 ou 19h ça sera mis en place, enfin voilà ça on le saura un petit peu plus tard et du coup vraiment plein de nouveautés sur surtout au niveau des armures et des armes, des raids, vous allez voir beaucoup de changements. Et également à la fin de la vidéo, je vous parlerai un petit peu des autres petits changements qui vont arriver, notamment sur le PVP. Et on va parler également des ornements. Et on va parler tout d'abord les gens du caveau de verre. Vous le savez, tous les raids sont de retour en 390 de lumière. Dans chacun des raids, on pourra looter jusqu'à 400 lumières en fonction évidemment de votre niveau. Au moment où vous avez lancé le raid, bien évidemment. Et du coup, il faut savoir que pour le caveau de verre, ils ont bien fait le boulot parce qu'ils nous ont pas remis les armures de l'époque, mais ils ont redessiné de nouvelles armures et mon dieu qu'elles sont jolies. Donc vous avez le screen directement du concept sous les yeux, je vous mettrai également des vidéos ou des screens en fonction de ce que j'ai pu enregistrer, mais c'est vraiment sublime. Il faut savoir que sur ces armures vous aurez donc des ornements et pour looter ces ornements il faudra faire le défi du raid. Il faut savoir que chaque semaine les défis vont changer, voilà c'est une nouvelle playlist qui va arriver et du coup chaque semaine vous allez avoir un défi différent. Donc c'est à dire que par exemple la première semaine on pourra avoir tous les défis du raid d'Athéon ou peut-être tous les défis du raid de Cropta. Voilà donc ça va se passer comme ça et les ornements vont être lootables en fonction des défis qui seront proposés. Donc ça franchement c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que le jeton d'ornement que vous allez donc recevoir, vous pourrez tout simplement le mettre sur n'importe quelle pièce d'armure. Voilà ça sera au choix donc ça c'est plutôt pas mal également. On va parler également des armes parce que ça c'était la vraie attente, la grosse attente. Est-ce que les armes ont toujours leurs dégâts? C'est-à-dire par exemple pour la grande faucheuse, le dégât cryoélectrique, eh bien en fait les gens c'est vraiment particulier. Il faut savoir qu'il y aura deux grandes faucheuses. Et oui vous avez bien entendu, deux grandes faucheuses pardon. Il faut savoir que chacune des armes sera désormais disponible en version légendaire. Donc en version légendaire elles n'auront pas de dégâts. Si vous lootez par exemple la grande faucheuse en version légendaire, il n'y aura pas de dégâts cryoélectriques dessus. Mais par contre vous aurez également la grande faucheuse en version exotique. Et là par contre elle aura bien les dégâts cryoélectriques. Donc c'est exactement pareil pour toutes les armes du raid d'Athéon, pour toutes les armes du raid de Cropta, mais également pour le raid d'Oryx et pour le raid, le dernier, donc la colère des machines. Voilà, donc vous aurez également des nouvelles armes avec des dégâts qui vont arriver sur Oryx et sur la colère des machines. Donc ça franchement c'est une tuerie, c'est vraiment du lourd. Et notamment donc pour le raid d'Athéon hein, vous pouvez avoir des skins différents. Donc pour le skin de la grande faucheuse en version légendaire, c'est le skin qu'on connaît. Et le skin est légèrement d'une autre couleur pour les armes en version exotique. Et ça franchement c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs ça va nous donner un peu plus de fil à retordre. C'est à dire qu'on pourra pas équiper la grande faucheuse avec les dégâts cryoélectriques en même temps que le Gjallarhorn. Et ça franchement c'est plutôt pas mal. Il y aura un petit peu plus de difficulté de ce niveau là. Et il faut savoir donc que ces armes exotiques, donc avec des dégâts, seront lootables uniquement dans le mode défi. Donc ça franchement c'est bien. Au moins on va devoir faire les défis pour pouvoir looter ces armes là. On va parler rapidement de la Vex, ils ont pu l'aborder directement pendant le stream. Donc la Vex qui va avoir un nouvel ornement, ça on l'avait déjà vu dans le trailer. Et il faut savoir que la Vex ne va connaître aucun changement. Donc ça c'est plutôt pas mal, elle va pas être modifiée. On va retrouver la Vex d'origine. On va désormais attaquer le raid de Cropta. Le raid de Cropta qui lui aussi va avoir de nouvelles armures. Elles sont sublimes. Alors là pour moi c'est vraiment les plus jolies. J'adore cet effet de verre, c'est vraiment magnifique. On peut les voir également dans la vidéo, alors ils s'amusaient à tirer dessus. Il faut savoir qu'en fait les armures, vous voyez un ornement vert, et bien cet ornement vous permet d'avoir en fait une protection supplémentaire, mais vraiment très légère en fonction des dégâts. C'est pour ça que quand on tire dessus, eh bien elle disparaît et elle se recharge au fur et à mesure. Voilà, donc on va avoir une petite protection supplémentaire grâce à cette armure, ça c'est vraiment terrible. Donc comme je vous l'ai dit également auparavant, pour les armes désormais, il y aura également deux versions pour le raid de Cropta. Donc les armes principales en version légendaire, donc sans dégâts, et les armes principales en version exotique, et là donc avec les dégâts, comme par exemple la parole de Cropta avec les dégâts abyssaux. Alors petite déception, il faut savoir qu'il n'y aura pas de retour du marteau noir. Voilà, on a vu le fuseau noir, c'est un petit peu la suite du marteau noir, et du coup il n'y aura pas de retour au niveau du marteau noir.
Par contre, on va parler du gouffre nécrotique. Alors, ils ont pas expliqué comment on l'a looté, ou alors j'ai peut-être fait abstraction à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais j'ai omis quelque chose. Mais par contre, au niveau du gouffre nécrotique, l'arme va subir un énorme buff. Donc, elle va être vraiment plus efficace qu'auparavant. Et il faut savoir que, en fait, à chaque frag que vous allez faire, l'ennemi va exploser. Donc, ça va faire des dégâts aux ennemis aux alentours également. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et l'arme possède également un nouvel ornement. En ce qui concerne le raid d'Oryx maintenant, donc il faut savoir qu'il y aura des nouvelles armures. Alors elles sont vraiment sublimes, elles sont assez proches de ce qu'on avait hein, auparavant déjà. On voit quelques modifications notamment au niveau des casques, voilà c'est vraiment très joli. Et vous pouvez voir donc ce bleu, en fait le bleu c'est tout simplement l'énergie de la ruche. Et ça va vous permettre, comme pour le raid de Cropta, d'avoir une petite carapace supplémentaire, de subir un petit peu plus de dégâts. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus cheaté, ça sera vraiment très léger. On va parler également des armes, comme je vous l'ai dit, donc il y aura également des versions exotiques pour les armes du raid qui auront des dégâts. Donc là, c'est vraiment une première au niveau du raid d'Oryx. Ils se sont pas arrêtés sur les dégâts, bien évidemment. On ne sait pas quels vont être les dégâts pour telle ou telle arme, bien évidemment. Et enfin, on va aborder le dernier raid, donc la colère des machines. Là aussi, les armures ont été redessinées. Alors, il y a moins de modifications que sur les anciennes armures, mais on peut voir voilà une légère transformation, notamment peu... apercevoir de l'aria qui se dégage un petit peu de l'armure au niveau des épaules, des bras et des bottes par exemple sur le titan. Donc sur les vidéos que vous allez voir, vous pouvez voir que les armures sont oranges parce qu'on était dans le cuirassé pendant le stream, mais ne vous inquiétez pas, les armures sont bien évidemment rouges. Voilà. Donc également au niveau de ces armures là, même chose, on va avoir un petit buff au niveau de la santé grâce à l'armure, mais c'est vraiment très léger. On va avoir également des nouvelles armes exotiques principales avec des dégâts, voilà donc même chose, deux versions, une en légendaire sans dégâts et une en exotique avec des dégâts. Et les versions exotiques seront rouges et pas oranges comme vous pouvez le voir sur la vidéo avec le fusil automatique de la colère des machines. A la fin du stream, ils nous ont également montré les nouvelles armures qui seront lootables à travers les trésors de l'âge. Donc c'est les nouveaux trésors qui vont arriver. Il faut savoir que vous pourrez avoir donc 3 trésors par semaine en réalisant les activités hebdomadaires. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en ce qui concerne les éléments de classe, donc la cape, le brassard ou la ceinture du titan, eh bien vous pourrez directement les looter en faisant la quête auprès du guide. Quête qui sera disponible dès mardi soir, donc dès que la mise à jour sera lancée. Donc au niveau des nouveaux ornements maintenant, on a pu apercevoir les nouveaux ornements, donc il y en a 2 pour l'Assuros, ils sont vraiment magnifiques, franchement j'adore. J'ai une petite préférence quand même pour le noir et jaune, alors je ne connais pas les noms, ils ont donné les noms en anglais, mais ils sont vraiment sublimes, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ceux que vous préférez. On a également un nouvel ornement pour le souffle du dragon avec ce tigre, franchement c'est vraiment stylé, j'adore, ça va très bien avec l'arme en plus. Et on a également un nouvel ornement qu'on a pu apercevoir tout à la fin pour le Finisterrae. Voilà, un nouvel ornement, ça fait plaisir, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont adeptes de cette arme. D'ailleurs, il faut parler de cette arme, elle va être nerfée, il faut savoir que désormais elle aura un petit peu plus de recul, apparemment elle était un petit peu abusée depuis la dernière mise à jour. En parlant de nerf, on a également les pistolets qui vont être nerfés. Il faut savoir que désormais, quand vous allez mourir en PVP, vous allez réapparaître uniquement avec un chargeur. Et tant qu'à parler des armes secondaires, il faut également parler des munitions secondaires, donc des munitions vertes en PVP. Désormais, quand vous allez les ramasser, elles seront directement dans votre chargeur, donc comme les munitions lourdes directement dans le lance-roquettes ou dans la mitrailleuse. Voilà, vous n'aurez pas besoin de recharger votre arme pour avoir les balles dans votre chargeur. Ils nous ont également parlé rapidement donc du souvenir de Scory. Eh bien désormais quand vous aurez votre super qui sera plein, il faudra faire un frag supplémentaire pour pouvoir activer directement donc le bonus hein, qui donne le super plus rapidement aux autres joueurs. Voilà donc il faudra bien faire un frag et ce bonus sera activé pour 1 minute. Et il faut savoir que également maintenant vous perdrez le bonus entre chaque manche d'Osiris. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite aux gens de camper pour avoir leur super et ensuite vous attaquer. Voilà c'est vrai que c'est un petit peu plus simple de jouer comme ça, mais du coup vous inquiétez pas, c'est patché et ça franchement c'est plutôt pas mal. Donc j'espère vraiment que ce petit résumé vous a plu, franchement c'est vraiment du lourd, toutes ces nouvelles armures, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller les looter, d'être mardi, de relancer tous les raids, là franchement on va avoir des activités à faire, ça fait plaisir. Si vous comptez bien, si vous avez 3 personnages, vous pouvez faire 12 raids par semaine et franchement c'est énorme, c'est ce que j'attends depuis le début. Enfin on va pouvoir retourner squatter Destiny, je trouve que c'est vraiment super d'avoir mis ça pour finir Destiny 1, voilà. Maintenant le prochain contenu qui arrivera, ce sera Destiny 2, on n'aura rien avant. Plus aucune mise à jour, plus rien. Mais au moins là ils ont mis le paquet. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en espace des commentaires les gens. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Tchuss!